Good morning, allez, dernier sujet aujourd'hui, le Nishmat avant Mordechai, Ben Israël, Befani, David, Ben Fortnum, Mazal Fridna, Dvora, Bat Esther, Rachel, Rachel, Bat Sarah, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine journée, ça contacte la 5 minutes éternelle. Nous aussi, je m'assurerai que votre Perek, Hei, Mishnah, Chet, Amashre, et Ishto, Aliedei, Shalish. Le Ifrot, la Mishnei, Kabin, Chitin, Ome, Arbaa, Kabin, Seorin, Amar, Rabbi aussi, le Pasak, la Seorim, et la Rabbi Shmel. Shaya, Samouch, le Edom. Venotanana, Chatzikav, Kitnit, Vechatzilog, Shemen. וקו גרוג גרות, או מנה דבלה, ואם אין לו, פוסק לאומתן פירות ממקום אחר. ונותן לה מיטה, מפץ, מחצלת, ונותן לה כיפה לראשה, וחגור למתניה, ומנעלים ממועד למועד, וכלים של 50 זוז משנה לשנה. ונותנים לה לא חדשים בימות החמה, ולא שחקים בימות הגשמים, אלא נותן לה כלים של 50 זוז בימות הגשמים, ומתכסה בבלעותיהם בימות החמה והשחקים שלה. Les engagements du mari envers la femme, on a parlé jusqu'à maintenant de la mitzvah de Ona, le devoir d'entretenir des rapports avec elle, maintenant on va parler de la mitzvah de la nourrir et de la vêtir. Amashre et ishto alide shalish. La Mishnah, elle prend un cas de celui qui va nourrir sa femme. Amashre et ishto, ça signifie que celui qui va nourrir sa femme avec un shalish, avec une tierce personne. Soit, je ne sais pas pourquoi la Mishnah a pris d'abord ce cas-là, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de réponse, mais pour nous parler du devoir du mari de nourrir sa femme, mais en tout cas, on parle d'une situation, c'était assez fréquent quand la polygamie, elle est permise dans la Torah pour les hommes, un homme a le droit d'avoir plusieurs femmes. Et c'était fréquent que, vous imaginez, il travaille, il est 3 mois ici, 2 mois là-bas, et puis il a une femme ici, une femme là-bas. D'accord? Maintenant, quand il n'est pas là-bas, il ne se retrouve pas là-bas, chez sa femme, alors, toutes les femmes sont capables de gérer une maison, les achats et tout ça, j'imagine que c'était plus la part du mari. Alors, il a décidé de prendre un apotropos, quelqu'un qui va lui-même s'occuper de nourrir sa femme comme il faut, de lui apporter tout ce qu'il faut. Donc, quelle est la quantité de nourriture qu'il doit lui donner et des vêtements et tout ça? Alors, la Mishnah me dit, « Lo yifrot la Mishne kabin chitin » il devra lui donner au moins 2 caves de chitin, de blé, de farine, ou bien de 4 caves de seorim. C'est quoi un cave pour vous donner une idée? Un cave, c'est 24 beitza. Donc, shnei kavim, ça fait 48 beitza, parce que vous connaissez bien le principe de eskalav gudo. Eskalav et gudo, c'est les coefficients entre eux. Efa, sea, cave, log, beitza. Donc, on a ici le cave et on a la beitza qui est là. Et les coefficients, c'est gudo, gimel, vav, dalet, vav. On avait déjà expliqué ça depuis très longtemps. Ce siman peut se rappeler eskalav gudo. Donc, Efa, Sea, Kav, Log, Beitza. Donc du Kav pour arriver à la Beitza, on a ici le Vav et on a ici le 4 et le Dalet, 4. Et le Vav, ça fait 6, ça fait 624, 24, fois 2 parce qu'on parle de Kav, donc ça fait 24 Beitzim. C'est concrètement si ça vous intéresse. Une fois qu'on rajoute l'eau et tout ce qu'il faut pour faire cuire du pain, ça signifie en fait l'équivalent de 16 Seudot. Plus précisément. 14 seudot plutôt, une cuite seconde. Il y avait ici comme ça rapporté dans le 14 seudot au total, l'équivalent de 14 pains pour manger pendant 14 seudot, il y a 7 jours de semaine, 7 seudot, même si à Shabbat on fait son dash légit, mais elle fait son dash légit, elle prend moins le mois de Shabbat. Donc il faut que ce souci en tout cas qu'il laisse 14 le pain pour 14 repas. Et aussi, maintenant si préféré, il peut lui payer aussi en seorim, en orge, et l'orge. Eh bien, il faudra lui laisser dans ce cas-là, 2 fois plus, 4 caves de seorim, donc l'équivalent de 24, donc de 48 en été, ça va faire 96 œufs, le volume. Amarbi aussi, le passac, parce qu'en fait les seorim, ça nourrit moins, il y a plus de psolète, plus d'impuretés à retirer, donc ça fait qu'en fait, il faut donner 2 fois plus. Et sur ça, vient Rabbi aussi, nous dit, le passac, la seorim, et la Rabbi Ishmael, Shaya Samoch Ledom. Celui qui a donné cette quantité-là, qu'il faut 2 fois plus d'orge pour pouvoir faire l'équivalence avec la quantité de blé, c'est que Rabbi Ishmael qui a dit cette chose-là, parce que il habitait près de Edom, de la région de Edom, et de ce fait, les séorions là-bas étaient de mauvaise qualité. D'accord? Mais notamment, Khatsikav Kitnit, maintenant ça c'est pour le pain, mais on n'a pas mangé du pain toute la semaine, il faut aussi un petit peu des compléments. Il faudra lui donner Khatsikav Kitnit, un demi-cave, donc 24 betsim de Kitnit, de légumineuses, de féculents, et aussi vechatzi log shemen, il faudra lui donner aussi un petit log de shemen, la moitié d'un log de shemen, vekav grogrot, et
une quantité de 1 cave, donc 24 beïtzal de nouveau, de gros grottes, de figues, ou bien de oman et dvela. Si vous voulez, il peut même aussi de la dvela. Alors la dvela, cette fois-ci, c'est des figues, mais qui sont en plus compactées en un pain. Il faudrait lui donner une tranche de 1 mané. C'est une certaine quantité, quoi, pour la séduction. Ok. Vim enlo. Possède le matin, mais comme acher. Maintenant, si toutefois, il n'a pas la possibilité de lui donner des gros grottes, on est dans une région où il n'y a pas tellement des figues, eh bien, il devra lui donner d'une autre quantité de fruits. Voilà la quantité minimale de nourriture qu'il doit laisser à sa femme. Maintenant, si elle veut plus, donc elle travaille, qu'elle gagne de l'argent. Mais ça, c'est le minimum imposé. En plus, il faut aussi la loger. Benoten la mita, mapatz ou machatzelet. Trois choses. Que c'est les lits de l'époque. Nous, aujourd'hui, on a un lit avec un sommier, un matelas et un drap dessus avec une couverture en plus. À l'époque, ils utilisaient, donc ils avaient mita, j'imagine c'était le socle. Il y avait le mapatz et machatzelet. Un, qui est d'abord, il faisait un certain matelas de paille sur lequel il rajoutait quelque chose de plus doux. Un, ça s'appelle mapatz, l'autre s'appelle machatzelet. Ok, il doit lui donner ça aussi. Il n'y a pas écrit tous les combien il faut se débrouiller. Est-ce que c'est tous les ans ou tous les, je ne sais pas. Mais non, tenez la kippa, les rochas, il faut aussi se soucier de lui donner un bon qui se roche. Une kippa, une toque, pour lui couvrir la tête. Vachagor et Motner aussi une ceinture pour lui couvrir, pour lui attacher le bas. Et au min alim, mi moed le moed aussi devra lui donner même aussi des chaussures de fête, d'une fête à l'autre. Soit pour toutes les trois fêtes, il faudra lui donner à chaque fois une nouvelle paire de chaussures. Ok? Min alim, des chaussures pour les trois fêtes. Mais kelim shel chamishim zuz, mishana shana, et en plus, il faudra même aussi se soucier de lui laisser des vêtements d'une valeur de 50 zouz, ouais, d'une année sur l'autre. C'est la quantité des vêtements qu'elle devra utiliser pour l'année. Il faudra laisser des vêtements qui vont l'équivalent de 50 dinars pour se couvrir. Je sais pas, j'ai pas compris, il n'y avait pas d'inflation à l'époque, ils fixaient des prix comme ça et ça ne bougeait pas. Chez nous, vous fixez un prix, vous revenez dans 6 mois après, c'est sûr que ça a déjà augmenté, quoi. À l'époque, c'était pas comme ça, c'était beaucoup plus stable, Kenneré. C'est sûr que c'était plus stable, parce qu'ils avaient l'argent en pesant d'argent, pesant d'or. Il n'y avait pas des grandes variations de prix. Que nous, on a. L'argent, il est indexé sur. Il est fixé sur toutes sortes de valeurs un peu plus fictives qui fait que c'est très volatile. Ouais. En rapport avec un gramme d'or, je suis sûr que ça n'a pas tellement bougé entre il y a 20 ans et aujourd'hui, quoi. Ben, c'est ce qui se passait avec les monnaies de l'époque. Enfin, on continue. Donc. Il devra lui donner donc les vêtements pour l'équivalent de 50 zouz par an. Et en plus, Venot Nimla, on ne lui donnera pas l'Ochadashim Bimatacham, on ne lui donnera pas quand ils sont tout neufs, on lui donnera pendant les jours d'été, Velo Shrakim Bimatakjami, on lui laissera ensuite les Shrakim, ceux qui ont été usés, pour les jours de pluie. Mais il faut faire le contraire. En hiver, tu donnes les vêtements propres, nouveaux, comme ça ils sont bien épais, et comme ça après ils s'usent pour l'été, en été on a moins chaud, donc on a moins besoin de se réchauffer avec le vêtement. Et donc tu devras veiller à lui donner donc, la quantité qu'on t'a dit, tu lui donnes pendant les mois d'hiver. Ensuite, Velo Shrakim Bimotek Shamim. Et la noten la Kelim Shel Chamishim Zouz Bimotek Shamim, il faudra plutôt lui donner donc, les vêtements de 50 zouz pendant les jours de pluie. Vehimit Kasa Biblaoten Bimotek Hama. Et elle se couvrira ensuite avec les restes durant les jours chauds. Et Vashrakim Shela, une fois qu'ils sont complètement usés, elle pourra elle-même les garder, elle aura pas, le mari ne pourra pas lui dire hey, « moi je t'apporte maintenant pour la nouvelle année, je t'apporte un nouveau trousseau de vêtements, rends-moi les restes de l'année dernière et reprends ses restes. » Non, il devra lui laisser les shrakim, les vêtements usés, il devra les lui laisser, d'accord. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Aslach HaKol Tov, salam.